Ah ben, si c'est pas mon ami Colin, comment ça va, mon coco? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi. Pareil que t'as repris le temps perdu depuis notre désintox. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hey, attention, c'est rendu que tu parles comme un psy. Tu arrosais ça, toi? Ça. Ah, oui. Mais ça? Quoi? Pensais-tu que je parlais de notre petit secret? Je vois pas de quoi tu parles. Good boy. Anyway, quand une mouche t'achale, tu fais quoi, toi? Une mouche. Tiens, la mouche. Le feeling est plus hot quand c'est un gars, mais... Une mouche ou un gars, hein? Sa face me revenait pas. Donc... Garde-moi donc la face, toi. C'est vrai que je t'ai jamais regardé la face comme du monde. Lâche-moi! T'es toujours de dos. Tu de quoi t'as reproché, mon coco? Arrête, là, c'est pas drôle. Ben, fuck, man, tu m'avais pas dit que t'avais une face de mouche. Hey, regarde tes affaires de mouche! Hey! Lâche-moi, là! Restez pas assis sur vos têtes, vous autres! Voyez pas ce qui se passe! C'est un tueur, ce gars-là! C'est un tueur, il va me tuer! Il va me tuer, c'est un tueur! Avant tout, je te demande juste de pas me dire que tu me trouves poisson, niaiseux ou tarte. Je le sais, tout le monde me l'a dit. Y compris moi dans mes moments de lucidité. Je sais pas de quoi tu me parles, mais je sens que tu vas me le dire. Est-ce que je peux entrer deux minutes? Oui. Là, c'est le bordel, là. C'est les affaires de Lou, il tombe chez ses parents. Mais toi, comment ça va depuis... Que je me suis fait tabasser. Ouais. J'ai juste mal aux côtes, mais juste quand je ris. Je vais essayer de pas être trop drôle. Ouais, s'il te plaît. Ben, assis-toi. Je cherche Maggie. Ici? Écoute, Émilie, t'es mon dernier espoir. Ouais, mais je comprends que t'aies envie de l'engueuler après ce qui s'est passé, là, mais... Non. Oh non, non, j'ai pas envie de l'engueuler. Bon, dernière nouvelle, tu l'as même pas avoir en portrait. Ça, c'était les avant-dernières nouvelles. Sa lettre que Martin m'a apportée, je l'ai tellement lue que je pourrais te la réciter par cœur. Ben, moi, avec, je l'ai lue, fait qu'un résumé, ça va être correct. Ben, elle regrette ce qui s'est passé. Puis je m'excuse, là, mais je la crois. Je te dis, j'étais une vraie tarte, moi. J'ai rien dit. Elle dit aussi qu'elle faisait pas semblant pour nous deux. Mais elle me demande de l'oublier. Ouais. Puis tu peux pas? Non. Non, je peux pas, puis je veux pas non plus. Hey, je comprends, Vincent, mais je peux rien faire pour toi, là. Écoute, si tu la vois, peux-tu lui dire que je reprends mes cours, puis c'est grâce à elle? Elle m'avait dit aussi qu'elle voulait faire du ménage dans sa vie. Je pense que je vais faire la même chose. Bye. Thank you.
Là, toi, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que tu veux, là? Le gars qui a tué l'ex-chum de ta sœur, je sais c'est qui. Encore pour tantôt, là, mais autrement, personne ne voulait m'écouter. Fait que c'est ça, là. Ah ouais, tiens. Appelle-là, pis t'as rien qu'à donner le nom du gars. C'est Marc. Marc Linton. Vous êtes capable de t'en rappeler? T'as juste à leur dire qu'il s'est vanté d'avoir tué ton chum. Ça devrait pas être plus compliqué que ça. Je trouve ça bizarre, pareil, ton affaire. T'as pas le goût que le monde sache une fois pour toutes que t'es pour rien dans cette affaire-là? De quoi tu parles au juste, toi, là? Je suis au courant que t'as été soupçonné pendant un peu de temps. Mais c'est frais, hein, comment que les affaires sont déformées avec le temps. Hé, hey, niaise-moi pas, OK? On l'a tout entendu, cette rumeur-là. Mais c'est justement, c'est rien qu'une rumeur. Puis qu'est-ce qui me dit que t'es pas en train d'en partir un autre, toi, là? Pourquoi je ferais ça? Pour te venger de quelqu'un, je sais pas. Moi, on dit que t'es con. Y'a un tueur qui se promène dehors, qui pourrait recommencer, pis tout ce que tu trouves ben à faire. Vas-y, à la police, t'es sûr de ton coup, man. Hey! Je peux pas y aller à la police, là. Pas ben à manger pour aller voir les bus, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. Je suis pas un tueur, là. Mais je suis pas un enfant de cœur de la paroisse non plus. Regarde. Il y a une récompense de 1 000 $ si arrête le gars. Je t'en donne la moitié. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tiens, encore toi. Pas trop mal à la tête aujourd'hui? Tu conseilles, laisse-toi pas trop charrier par ce gars-là. C'est rien tout ce qu'il peut inventer pour qu'on y passe l'argent. Je laisse donc faire, hein? Ben anyway, toi, t'es aussi con que lui, fait que... Dire qu'il y a une information pour la police. Oui, c'est ça son truc. Oui, il s'arrange pour qu'on lui donne une partie de la récompense, là. Puis c'est nous autres qui s'en va faire les beaux os devant la police. Non, 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 il me demande pas une scène, là. Il m'offre même la moitié de la récompense. Il dit qu'il sait c'est qui a tué le chum de ma sœur. Tu vois, le Yannick Dubuc? Comment est-ce qu'il a réussi ça, lui? C'est un gars qui a rencontré un désintox qui s'est vanté de ça pendant sa cure. Alors, c'est vrai qu'il sort de désintox, là. Même si ça paraissait pas trop trop hier. Pourquoi qu'il va pas lui-même d'abord à la police? Non, je sais pas, Michel. Peut-être peur du gars. Là, tu vas les appeler, tu vas leur demander s'il y a moyen de vérifier l'information, OK? Bon, ben là, écoute-le d'abord en attendant, parce que moi, si la police me demande, nous, c'est mon informateur, là, je veux pas avoir l'air d'un tweet, là. Non, non, mais là, regarde, il y a un tueur qui se promène dans les rues, puis si on fait rien pour l'arrêter, il va recommencer. Ouais. OK, ça marche. Merci. T'es folle. Moi, j'ai rien que ça à te dire, t'es folle. Écoute, tu t'aimes, tu l'aimes. C'est pas compliqué, ça, me semble. Ben, moi, je m'aime plus, Émilie. Quand je passe devant un miroir, là, je baisse les yeux tellement j'ai honte. Pour ça, je veux voir personne. Mais Maggie, c'est Vincent, c'est pas le voisin. Et Vincent, encore moins. Mais là, arrête donc de te plaindre. On dirait que tu te rends pas compte de ce que t'as. T'aurais pu aller en prison ou en maison de transition, là. Mais c'est parce que c'était ma première offense. Puis que mon témoignage a fait avancer le dossier. Ben oui, sinon... ben c'est ça, justement. Mais penses-tu que c'est le fun d'avoir à se rapporter une travailleuse sociale? Ben, au moins, tu peux aller puis venir où tu veux, me semble. Ben oui. Puis rentrer à 8h30 tous les soirs dans une maison, je me sens pas chez nous, hey. Maggie. C'est très bien que t'aurais pu l'éviter, le foyer d'accueil, c'est toi qui voulais pas retourner chez vous. Mes parents méritent pas une fille comme moi. Hey, lâche-moi les grands violons, là. Mais pourquoi tu dis ça? T'es même pas revu depuis ton affaire. Je peux pas, Émilie. Tu sais, j'aurais 100 000 raisons de me plaindre, moi, avec. Tu parles de Lou, là? Ouais. Tu peux pas passer ta vie à te cacher, Maggie. C'est pas une vie, ça. Mais t'as raison, là. Bon, il y a pas 30 000 solutions, hein?
Faut que ça finisse plus vite. Ben, on en reparlera, faut que je m'en aille. Moi, je remplace pour le rush du souper. Fait que tu restes ici, toi? Où tu veux, j'aille. Bon. Mais j'aimerais ça que tu sois là quand Lou va venir chercher ses affaires tout à l'heure. Ah oui. Ben. Ça manque un petit peu de sel, là. Tiens. Mais après ça, tu viens avec moi au poste, hein? Je les ai appelés, là, ils nous attendent. Pourquoi j'irais? Vous avez le nom du gars, là? T'es le seul à qui il a fait la confidence, comprends-tu? T'es le témoin privilégié. On a peut-être mal compris, mais on pensait que ça t'arrangeait que ce gars-là soit en dedans. Hein? Ben, c'est quoi le dessert? Hey, la mopette, là. Pour le restaurant 4 étoiles, tu t'es trompé de quartier, OK? T'es sérieux? Ouais. La poudine ou des biscuits? Moi, je pense que je vais prendre les biscuits, c'est vrai? Finalement. Ouais. Okay. Ah, ben. OK, arrange-toi pour qu'il parte vite, ça commence à empester, c'est OK. Ouais. C'est vous autres qui m'avez invité à manger, gars. Ben, justement, garde, OK? Fais-nous les pas regretter. Pas ta chance, Colin. C'est qui est passé votre sens de le mot, les gars? Hein? Ah, je vais partir, moi aussi. Où tu vas, là? Je m'en vais juste chercher mes affaires. Je pensais pas qu'avant d'aller voir la police, ce serait une bonne idée que j'aille prendre ma douche puis que je me change. Ben, bonne idée. Ah, ouais. On va pas le laisser partir demain, là. Hey, vu que ce gars-là soit en dedans, il a peur à sa peau, inquiète pas, il va revenir, OK? J'ai été chanceuse de me trouver parce que je faisais rien de passer. J'ai trouvé une cachette écœurante dans les toilettes pour mes affaires. Ça m'intéresse pas, Colin. Non. Hey, ça donne bien, ce cache-là. On va-tu fêter ça? Hey, des fois, là, on se demande pourquoi on a du monde qui veulent même pas s'aider eux-mêmes. Hé, hey, t'es qui, toi? Sophie! Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tiens. Merci. Là, là, regarde-moi ma face parce que c'est la dernière fois que tu me vois d'aussi proche, OK? Hé, hey, hé, comment ça, là aussi, tu vas? Nulle part. Moi, là, je sors de ta vie. C'est assez clair. Non, il est fatigué, hein? Tu as eu des nouvelles de Maggie, toi? Ouais, elle m'attache chez nous, on soupe ensemble à soir. Être la sandwich! T'as-tu parlé de moi? Elle t'en veut sûrement plus d'avoir appelé ses parents, Ben. Elle t'a pas parlé de moi? Non. Comment est-ce qu'elle va? Ben, pas bien fort. Je l'ai brossé un peu tout à l'heure, je pense que je t'allais un peu raide avec. Ouais, mais là, tu en reparleras tantôt, c'est tout. Mais toi, t'es pas supposé aller rejoindre Colin en haut? Ben, le jeu de nasse est fait, là, qu'il s'arrange, hein. On m'a laissé Couillard s'en occuper, sinon, moi, j'y arrache la tête. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, là, mais d'après moi, Maggie a besoin d'aide. Maggie? Ben, elle m'attend chez nous. Ben, dans ce cas-là, c'est sa sœur jumelle que je viens de voir au billard en train de donner de l'argent à Colin. Puis c'était pour acheter des fleurs, mais il y en avait pour le champ au complet. C'est pas vrai, elle va pas recommencer, là. Non, c'est de ma faute, j'ai été trop raide avec. Penses-tu qu'elle est encore là? Chut, c'est beau. Attends, Ben, je vais avec toi. Écoute, l'autre serveuse, elle arrive dans 5-10 minutes, OK? Il reste la 2 puis la 4 à collecter, puis quand la 6, ça va être prête, le cuisinier va sonner. Tu penses que tu vas être correct? Oui. Hey, je t'en vaudrais ça! Mais, Émilie, je... Ah ben, j'ai mon voyage. Le monde est petit. Hey! Ça se pourrait qu'on soit voisins. Je viens de visiter une chambre à 3 rues d'ici. Mais pour que ça vaille la peine, il faudrait que je me fasse une blonde. Ta copine, là. Maggie. Hé, ferme la bouche. Hé, mouche!
Je me demandais si Michel était pas chez vous par hasard. Oui. Ah. Ah, ben, oublie ça, l'œuf, là. Oui, je te remercie. OK, bye. Hey, Michel, je t'ai cherché partout. Je le sais qu'on s'était dit qu'il fallait éviter les tête-à-tête, là, mais l'occasion est trop belle. Ta mère vient pas souper. On a la maison, elles ont dit ça. On se fait-tu venir quelque chose? J'ai pas faim. Ah, ben, moi non plus, de toute façon. C'est pas la dernière. Je viens de faire la serveuse au resto. Belle pas longtemps, là, je remplaçais. Ça va pas, toi? Pas vraiment, non. Oh, je comprends. Je trouve ça dur, moi aussi. J'ai tout le temps le goût d'aller te rejoindre, mais... On a fait une promesse à ta mère, hein? C'est pas ça. Comment? Tu trouves ça cool, toi, qu'on vive sous le même toit, qu'on se voit partout, qu'on s'aime, puis qu'on n'ait pas le droit de le vivre? Non, c'est pas cool, mais... Il n'y a pas juste ça dans la vie. Il n'y a pas juste ça dans la vie? Quand toutes mes tripes veulent me sortir du corps tellement j'ai mal? Mais je me dis, tiens le coup, Sophie, c'est dur pour lui aussi! Non, crie pas, Sophie, là. J'ai mal à la tête. Ah! Mais moi non plus, je fais le pas, imagine-toi donc. On avait la chance de passer une merveilleuse soirée ensemble et t'es en train de tout gâcher. Merci! Comment veux-tu que je passe une belle soirée quand la seule personne qui a le pouvoir de faire arrêter le meurtrier de Yannick a pogné la chienne puis s'est poussée, hein? Maggie? Maggie? Maggie! Maggie, qu'est-ce que t'as pris, là? Qu'est-ce que t'as vendu? Ben, cherche voir s'il y aurait pas de bouteille vide quelque part. Hey, si jamais je le revois, là, lui, là. C'est de la vraie vermine, ces gens-là. Faudrait tout exterminer à la gang. Maggie, réveille, là. Pardonne-moi. Bon, là, tu restes réveillée, OK? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve rien, l'Émilie. Ben, c'est pas grave. Viens prendre ma place. Faut pas qu'elle se fasse dormir. Moi, je vais appeler le 911. OK. Maggie. Maggie. Excuse-moi encore, Maggie. Mais je la voyais venir. Je l'avais pas arrêté à temps si ça aurait valu un téléphone au bouffon. Ouais, ben là, une chance que j'ai pas appelé, moi, finalement. Mais vous avez réellement pensé que j'avais craqué? Ben. Mais là, tu dormais tellement fort, là. J'étais sûre d'être à mort, moi. Ben, ce que je voulais te faire m'avait assez énervé, là. Les nerfs m'ont lâché, fait que. Pouf. Qu'est-ce que tu faisais coucher à terre? Tu te trouves si lettre que ça, mon beau divan rose? Ben non. Ben non, je faisais un exercice de détente en t'attendant, puis je me suis endormie. Ben, ça fait quasiment une semaine, là, que. J'ai pas dormi une nuit complète. J'en reviens pas. T'as vraiment dit à Colin qu'il sorte de ta vie? Mmh. Tu y as vraiment dit ça comme ça? Là? Non, encore plus bête. Oh! Mais là, tu dois plus rien à Colin. Là. Non! Je dois plus rien à personne! Bon. Ah ben, enfin presque. Non, je vais t'en mettre ça bientôt. Je ben, sais, William sais, aussi. Parce que j'ai pris un arrangement avec ma mère. Je vais y remettre ça petit à petit. Mon Dieu, avec ta mère? Ouais. Mmh. Non, je suis allée la voir à sa job, puis j'ai tout raconté. Même si elle en savait des grands bouts, là, mais je voulais qu'elle l'entende de ma bouche. Puis elle a appelé mon père, puis il m'a pleuré au téléphone. Mm. Puis il m'a dit de revenir chez nous, puis qu'il m'aimait. Puis... Mm. Ah, ta faute, tout ça, là. Bon, ça, j'ai bien fait de te brosser la cage un peu. Ben, mettons que t'avais peut-être pas besoin de secouer aussi fort, là, mais je sais que c'était plein de bonnes intentions. Je sais que je t'en ai un petit peu trop. Ah, je suis content que ça s'arrange avec tes parents. Mais il fallait que ça vienne de moi, Ben. Non, je le sais. J'ai perdu un ami avant de comprendre ça, mais bon. Ben non! Ouais, tu m'as pas perdu! Mais moi, je suis chanceuse, par exemple, de pas vous avoir perdu comme ami après ça. Bon, ben là, on se prépare-tu à souper? Plutôt, Ben, tu restes à souper avec nous autres? Ben, non, je pourrais pas rester. On m'en va souper avec Nathalie, ça fait longtemps qu'on s'est pourvu. Oh. Mais de toute façon, moi aussi, les plans ont changé, là. Ma travailleuse sociale vient me chercher dans quelques minutes. Comment ça? Ben, je m'en vais chercher mes affaires au foyer, puis je rentre chez nous. Mais on s'en reprendra, hein? Oui. Puis là, comme tu vas savoir où je suis, ben on va pouvoir se voir un petit peu plus souvent. Oui, hein? Tu vas voir, ça va bien aller à ce temps, Maggie. Hein? Pense-y deux minutes. Colin vient te relancer une première fois chez vous. Il arrive pas à parler cette fois-là.
Il te reponne quelques jours plus tard au billard. Hey, t'avais peut-être même suivi. Tu penses? Ouais. Il était décidé rare, ton gars. On change pas d'idée de même, là. Ouais, ouais. Il avait dit qu'il reviendrait aussi. Il est rendu où, là? Il va peut-être être retardé. Michel. T'as assez souffert quand tes amis t'ont soupçonné. Tu voulais tellement le trouver, une vraie coupable. Je peux pas croire que tu vas abandonner si près du but. Il y a trop de si puis de peut-être, Sophie. En tout cas, t'as pas dû le chercher fort fort, ton collègue. Je l'ai pas cherché pantoute. Mais dans ce cas-là, il est peut-être encore au billard. Mais oui, je l'ai vu, là, tantôt avec Maggie Malo. C'est sûrement sa petite transaction avec elle qui l'a retardée. Bon, mais c'est là que je m'en vais, moi. Hey! J'y vais avec toi! Cache tout ce collègue qui vient de relancer ici. Hey, on lâche pas ce coup-ci. Non, ben là, laisse-moi parler. Mon gros collègue. Hey, hey! Surprise! Franchement, débarqué de Floride! Oh, hey, papa m'a pas vendu! Ah, salut! J'ai réussi mon coup, maman, c'est moi! Ouh, wow, wow.